On est le 12 dans le mois de Shevat, Shevat, veille de Shabbat Shira. Et c'est important que ce message de ce Shabbat va rester avec nous, cette ère musicale, cette façon de chanter pendant toute l'année. Il y avait une fois un grand donateur qui donnait chacun qui venait demander, il le donnait toujours la même somme à tout le monde. Mais quand il rencontrait la même personne, et cette personne-là, il remerciait chaque fois de nouveau, et chaque fois il le donnait encore plus. Et celui-là qui l'a dit qu'une fois merci, il a pris au revoir, alors lui aussi il disait au revoir et il redonnait plus une autre fois. Chers amis, nous vis-à-vis de Dieu, je crois que c'est un petit peu pareil. On va lire aujourd'hui, demain dans la paracha, la source de la santé. Vayomer, imshamo atishmar, leko l'ashem elokecha, vayashar beinav ta'ase. Alors c'est marqué deux fois le mot tu vas écouter. Si tu vas écouter, tu vas re-écouter ce qu'il demande Dieu à faire. Toute la maladie qu'il y a en Égypte, toute la maladie qu'il y avait, je ne vais pas mettre sur toi car je suis Hachem ton médecin. Je pense que le secret, il est dans ce mot-là. Tu vas écouter et tu vas re-écouter. Vous avez bien remarqué que peu importe le plus beau discours du monde, les gens, ils l'écoutent une fois, ça y est, deux fois, trois fois. Mais une chanson, alors allez voir dans YouTube ou partout, une chanson, tu peux l'écouter 100 fois. Plus elle est belle, plus tu kiffes. Si notre façon de remercier Dieu, c'est comme de la musique, chaque fois qu'on fait une bénédiction, on revit et comme quelque chose qui est nouveau, chers amis. C'est là où Dieu dit « Je suis ton médecin ». Même les oiseaux, il y a une belle coutume amenée depuis Rabbi Menachem Mendel Meri Manov. Il y a plus que 200 ans qui dit « Il faut donner à manger aux oiseaux avant Shabbat, c'est mieux ». Bon, il y en a qui disent même pendant Shabbat. Pourquoi ? Pour leur dire merci qu'à l'époque, il y avait des gens qui ont mis la manne pendant Shabbat pour prouver à Moshe qu'il a dit « Demain, il n'y a pas de manne ». Alors ils ont planqué exprès et les oiseaux ils sont venus manger. Donc on va remercier les oiseaux, regardez on remonte à 3000 ans en arrière, hein, qui sont à l'écoute de Dieu. Et qu'en plus, je ne connais pas un oiseau qui a des problèmes de parnassa. Ce qui veut dire il se débrouille. Chers amis, en haut c'est un petit peu pareil. Il y a une salle en haut où il y a tous les demandes. Ça travaille non-stop, H24. Celui-là il demande la santé, celui-là la parnassa. Mais il y a une salle à côté où il y a un ange, apparemment il est comme ça. Il attend les merci, chers amis. Et apparemment il ne travaille pas beaucoup. Alors si nous on remercie, et remercier ça veut dire venir, on commence avec les brachot, on est dans la semaine de Tu Bishvat la semaine prochaine. Chaque chose qui rentre dans notre bouche, merci Dieu, après merci bracha achrona. Si on arrive à faire tous ces petits détails chers amis, et répéter comme si c'est une nouvelle musique chaque fois qu'on fait une bracha, on a d'abord une garantie d'avoir une bonne santé, on a une garantie d'avoir une bonne parnassa, car c'est le Shabbat de la manne. Et on termine, pour ceux-là qui veulent rajouter quelque chose, le Tehilim, le numéro 100. Bo'ushe Arav Betoda. Rabbi Nachman Ibreslev, il dit, même quand tu veux en haut demander quelque chose, il te dit, non, ça suffit de demander. Mais tu dis, non, je ne veux rien demander. Je veux juste dire merci. Ah, merci, tu peux rentrer. Tu es rentré, profite. La porte de la clé en haut de toutes les demandes, c'est commencer par le merci. Alors le Tehilim 100, tu rajoutes la valeur numérique de merci, Toda, 415, plus le Tehilim 100, 515. Valeur numérique de Shira, la Parasha, de Vaet Hanan, supplié, et bon, de Natania aussi, ça veut dire Dieu a donné. Bon Shabbat à tous, des bonnes nouvelles, bonne santé, bonne Parnassa. Shabbat Shalom, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.